apocalypse. Hey, salut à tous, c'est Ori. Donc on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Anthem. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc on doit retrouver Tassin, Yaro et Mathias. Donc let's go. Hey Lancer, j'espère que le contrat s'est bien passé. Oui, il s'est bien passé, merci. Un cycle jour-nuit impeccable. C'est magnifique. On court. Freelancer. Merci de m'avoir sauvé. Mais y a pas de quoi. Tu te promènes souvent hors des murs, comme ça? C'est les risques du métier. Mais c'était différent cette fois. Quelque chose rend l'escar plus agressif. C'est peut-être le Dominion. Nous pensons qu'ils sont de retour. Vous connaissez certainement le freelancer Yaro. Tassin a raison. Ces événements ressemblent à ceux qui ont précédé l'attaque de Liberalia. Celle qui a déclenché le Maelstrom? Je connais pas toute l'histoire. Moi, si. Eh ben raconte. Peu de gens sont au courant de ce que je m'apprête à vous révéler. Ma protégée, Jani, était là-bas il y a 10 ans. Elle a tout vu de ses propres yeux. Ce que vous savez déjà, c'est que Liberalia était l'une des plus grandes cités de Bastion. Ancienne, fière, prospère. Et surtout, elle abritait la plus grande enclave de freelancers au monde. Les freelancers, avec les sentinelles, gardiennes des murs, sont parvenus pendant des années à protéger Liberalia et ses habitants du chaos de notre monde. Jusqu'au jour où le Dominion est arrivé à nos portes, cruel conquérant venu du Nord. Ils sont pas là pour rigoler, eux. Le Dominion, les Sentinelles et les Freelancers ont fait valoir leurs droits sur Liberalia ce jour-là. Chaque groupe revendiquait l'héritage du légendaire général Tarsis et de sa Légion de l'Aube. L'un de nos meilleurs freelancers, le freelancer Adams, a mené la charge de l'enclave contre les forces du Dominion. D'après Jani, la taille de l'armée ennemie était gigantesque. Le Dominion était dirigé par le docteur Arken, un homme qu'on n'a jamais vu avant et après ce jour. Il venait pour s'emparer de la ville, quel qu'en soit le prix. Ils se sont battus, dépassés en nombre, en puissance de feu et débordés de tous les côtés. Les freelancers se sont battus. Ils ont résisté au début. Oh non, ils ont tout cassé. Mais les murs de la Grande Liberalia n'ont pas tenu. Le Dominion a envahi la ville. Adams, avec de nombreux freelancers, était l'ultime rempart devant les murs de la ville. D'autres, comme Jani, sont restés pour aider comme ils pouvaient. Et sans prévenir, les sentinelles se sont repliées. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans les entrailles de la ville, Jani avait découvert ce que les sentinelles savaient déjà depuis bien longtemps. Le Dominion ne voulait pas détruire Liberalia. Il voulait
voulait s'emparer d'une ancienne relique des Démiurges, qui était cachée au plus profond de la cité, le Cénotaphe. Arken avait réussi à trouver un moyen pour le Dominion d'utiliser le Cénotaphe, et ce afin de contrôler l'hymne de la création. De l'arrogance. L'hymne ne saurait être contrôlé. Le terrible cataclysme qui fut déclenché ce jour-là a détruit les Beralia, a détruit le Dominion, et anéanti tout le reste. Oui, effectivement, ça rigole pas. Ce cataclysme est devenu le Maelstrom. Certains ont survécu et raconté l'histoire de Liberalia, mais ils sont peu nombreux. Le Dominion n'est pas revenu pour rien. Je dois encore rassembler des informations. Retrouvez-moi plus tard. Ouais, moi aussi. Je te contacterai dès que j'aurai quelque chose pour toi. Je serai dans l'enclave. Ok, ça marche. Je me disais que je lui verrai rapidement. C'est vous la freelancer dont on parle tant. Oh bien, j'espère. C'est le moins qu'on puisse dire. Le fait que tout le monde parle d'un freelancer, c'est encore meilleur. Mon nom est Prospero. Je parie que c'est vous que j'attendais. Ah oui? Pourquoi ça? Vous savez qu'être freelancer, c'est plus qu'un métier. C'est être fier. Fier de faire quelque chose de bien, et fier de son javelin. Ouais, bah on en est loin, pour le moment. C'est intolérable. Qui voudrait foncer dans la bataille en ressemblant au premier venu? Quel message cela envoie-t-il? Alors qu'il serait possible d'incarner la foudre elle-même, la puissance du tonnerre dans une main, et une tempête de souffrance dans l'autre. C'est flamboyant, ça. C'est ma spécialité. Si un lancier veut envoyer un message, il achète des pièces spéciales pour son javelin, comme des décalcos, par exemple. Et c'est moi qu'on vient voir. Qu'on venait voir. Toi, t'es le fournisseur de pièces. On ne construit plus rien à la forge en ce moment. Mais je pense que vous pourrez y remédier. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut rallumer la forge avec de la braise. Et quelqu'un avec assez de cran pour en récupérer. Trouvez-en et je me remets au travail. On y arrivera, tous les deux. Je vous apprendrai à fabriquer des objets. Ok, j'en suis. C'est ce que je voulais entendre. Vous allez devoir chercher de la braise hors du fort. Apportez-la-moi, pour qu'on remette ce machin sur les rails. Compris. Allez, c'est y part. Partie libre. Ok, bon, bah, on va aller farmer un peu alors. Morceaux de braise récupérés. Allez, go. On va aller chercher des morceaux de braise et voilà. Allez. Pareil au départ. Je vais commencer à éplucher les rapports pour voir s'il y a un truc intéressant. Ok, ça me va. Wow! Elle m'a fait peur celui-là. Il était costaud lui là. Il m'a rien donné.
Alors comment on voit les objets? Wow. Cassez-vous, vous. Pièce d'arme. Ok. Éclat commun. Scar par ici. Le contrat vient de sortir. Ah bah. Ok. Les Scars se sont bien retranchés ici. Il faut les repousser. Voilà. Bien. Continue de chercher. Ouh, je prends cher. Bon, on a cassé la... Yes. Bravo. Merci les copains, vous êtes gentils. Yes. J'ai encore de la braise à récupérer. Alors, où
où est-ce que je vais pouvoir trouver de la braise? Non. Des démiurges dans les parages. Bah oui, je me doute. Ouah, c'est lequel qui m'a shooté comme ça? Bon, il manque toujours cette braise. Ouh. Oh là là. Bon, on va peut-être pas aller là. Oh, il y a des putains de bruits verts. Eh bien. Arrête. F. Ils sont pas gentils, hein. Wow.
Putain, mais c'est naze. Qu'est-ce qu'ils protégeaient là-dedans? Dans leur tanière. Rien du tout. Ah bah voilà. F maintenir. Hop. Allez, on va voir notre pote. On lui donne. Salut Prospero. Salut. Vous avez de bonnes nouvelles. Voilà la braise dont vous aviez besoin. C'est ce que je voulais entendre. Très bien. Mettons-nous au travail et allumons la forge. Il est temps que ces javelins reçoivent tout l'amour qu'ils méritent. Allez à la forge pour commencer les modifications. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire parler la foudre à l'aide d'une jolie carrosserie sur ce javelin, pensez à venir me voir. C'est donc vous le marchand de tonnerre, hein? Les meilleurs freelancers doivent soigner leurs entrées. Mais pour ça, ils m'achètent ce qu'il faut. Soyez pas timide. Fabrication déverrouillée. Les plans de fabrication sont déverrouillés en terminant le défi. Rendez-vous à la forge pour créer les équipements et armes que vous souhaitez. F, boutique de style. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors... Ah, ça c'est la boutique, ok. Bon allez, on va voir l'autre. Il est où? Ah. J'ai une autre mission à vous confier. Encore? Très fêté, mais on se connaît toujours pas vraiment. C'est normal. Je travaille pour Corvus. Ah, une espionne. J'ai pour mission de surveiller les menaces qui pèsent sur Fort Arcis. Un de mes agents a infiltré les régulateurs, un groupe de contrebandiers. Elle empêche tout ce qui est vraiment dangereux de tomber entre de mauvaises mains. Mais dans son dernier rapport, elle signalait une incursion d'agents étrangers dans la zone. Qui sont-ils? Comme je l'ai dit, je miserai sur le Dominion. Ce qui, pour nous, est synonyme d'ennui. De gros ennuis, si vous avez vu juste. Les ennuis, ça vous connaît? Commencez par rencontrer mon agent dans un camp de régulateurs, à cet endroit. Découvrez ce qu'elle sait d'autre, et faites votre boulot. On s'en occupe. Ok. Et on fera ça la prochaine fois. Donc je vais vous laisser là pour cet épisode, et je vous dis à la prochaine. Ciao!